Coucou, aujourd'hui c'est des beignets jaunes jaunes aux spaghettis. Pour les ingrédients, vous auriez besoin de 300 g de farine, 7 g de levure boulanger chasse et vous auriez besoin de 250 ml d'eau tiède et une cuillère à café de couleur alimentaire jaune et du sel. Pour commencer, je vais mélanger la levure avec la farine et rajouter l'eau. Maintenant, je vais utiliser ma main pour faire le mélange. Il faut bien travailler jusqu'à obtenir une pâte homogène. Et voici la texture de la pâte. Maintenant, je vais rajouter la couleur alimentaire jaune et bien travailler la pâte. Il faut bien travailler la pâte. Maintenant, je vais couvrir et laisser la pâte augmenter de volume 45 à 30 minutes. Maintenant, je vais dégager l'air qui est dans la pâte et saler. Il faut saler à votre goût. Maintenant, on va passer à la friture. Vous pouvez utiliser la main pour frire si vous n'aviez pas cet appareil. Cet appareil est un peu lent, donc je continue avec la main pour aller un peu rapide. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Pour le spaghetti, vous aurez besoin d'un oignon, une cuillère à café de tomate pâte et du persil avec de l'ail et du gingembre. Ensuite, je vais assaisonner avec mon bouillon d'assaisonnement bio fait maison et je vais rajouter un peu d'huile et rajouter l'eau. C'est tout, il faut saler à votre goût. Vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Il faut porter à l'ébullition quelques minutes. Après quelques minutes de cuisson, je vais rajouter une feuille de laurier et je vais rajouter du spaghetti. Voici le spaghetti que je vais rajouter et laisser mijoter à feu doux jusqu'à cuisson. Et voilà, le spaghetti est presque prêt. Il faut laisser à feu doux jusqu'à cuisson. Mes beignets sont prêts. Merci de regarder la vidéo. N'oubliez pas de liker et partager. Bye!